Un service, c'est une salle qui se remplit et qui se vide. Quand elle se remplit, on se fait la main sur les plats, on se chauffe, et tout d'un coup, quand la salle est pleine, là, il y a un moment compliqué à gérer. Tu dois à la fois être précis, à faire quelque chose de beau, et en même temps, tu es dans une espèce de tension. C'est à la fois être hyper conscient de tous ces gestes, et en même temps, travailler comme un robot. Pas le droit à l'erreur, quoi. Il n'y a plus rien d'autre que l'objectif commun, que ça sorte et vite. Je pense que ça relève de la performance sportive, pas loin des endorphines que peuvent provoquer un truc comme ça, hyper intense. Tous les cuisiniers sont un peu addicts à ça. Le coup de feu, c'est ce moment où tout marche en même temps, où tous les gens ont faim, les assiettes doivent sortir tout en même temps. Il faut arriver à coordonner tout ça. On est à la recherche d'une espèce d'idéal chorégraphique, un vrai travail sur le geste, l'économie du geste. L'exigence, c'est de la rester jusqu'au bout. Et après, on souffle, quoi.